Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième journée à Ottawa. Et je suis au niveau du Parlement. Voilà, je me suis levé tôt ce matin, il est magnifique. Je me suis levé tôt, j'ai ma visite dans à peine 20 minutes. J'ai pas filmé les alentours au final comme prévu avant de visiter. Parce qu'en fait, il a plu. Vous pouvez voir un petit peu, c'est encore trempé par terre. Là, ça s'est arrêté, donc j'espère que ça va rester comme ça pour la journée. Là, le programme, c'est le Parlement d'ici 20 minutes, ensuite, enfin le Parlement, le Sénat, ensuite j'ai la Chambre des communes, et puis après, on filera, je pense, à un musée ou manger avant, je sais pas encore. En tout cas, ça fait plaisir d'être ici. Le monument vraiment le plus visité de la ville, je pense. Il y a vraiment beaucoup de monde alors qu'on est tout le matin. Mais franchement, il fait bon. Ces grandes places là, c'est super. Donc là, je vais me diriger vers. Je pense que c'est le grand bâtiment devant moi. Et puis c'est parti, je vais vous faire visiter tout ça. Je pense que je pourrais pas trop parler parce que c'est quand même un lieu où voilà, faut rester quand même assez calme, je pense. Surtout que c'est une visite guidée, donc il y aura un guide qui va parler, etc. Donc j'essaierai de vous filmer un petit peu des petites séquences importantes, les lieux les mieux, quoi. Voilà. Puis après, je pense que j'essaierai de vous faire des plans en extérieur, notamment les petits monuments à droite et à gauche, parce qu'il y a quand même pas mal de sortes de petites places. Autour de grands bâtiments, donc voilà, j'essaierai de vous filmer tout ça. Et puis c'est parti, on se retrouve après la visite pour je vous ferai un petit compte rendu. Allez, à tout à l'heure. Thank you.
vous avez pu le voir, j'ai pris le petit tramway d'Ottawa. J'ai mangé un petit fish and chips sur la rue Bank, parce que ouais, je me promenais et j'avais la flemme de chercher un truc pendant 3 heures. Donc j'ai pris le premier truc qui venait, c'était un pub très sympa, franchement, des petits matchs de hockey diffusés, des bonnes bières. Le fish and chips était vraiment bon. Mais là, je me dirige vers le Musée canadien de la guerre et je pense que c'est le bâtiment qui est tout au fond là-bas. C'est parti, on va voir ce que ça donne.
Et re tout le monde, nous voilà dans Beaver Tales, les fameux Twistcasters. J'ai la mienne, j'ai pris Strawberry Cheesecake, je voulais pas reprendre ce que j'avais pris à Québec, c'est-à-dire chocolat banane ou même chocolat classique. J'ai voulu changer un petit peu, donc on va voir ce que ça donne. Je vais goûter. C'est vraiment bon. Framboise, elle a un bon goût. Je vais me régaler. Et re tout le monde, me voilà à la gare de bus. Comme je vous ai dit, j'ai pas pu avoir un covoiturage qui m'a annulé à la dernière minute. Quand j'ai regardé pour un nouveau, il n'y avait plus de covoiturage, donc un petit peu dégoûté. Du coup, j'ai pris le bus avec la compagnie Greyhound. C'est une compagnie qui fait vraiment beaucoup de voyages, pas super cher non plus. D'habitude, je passe avec Orléans Express, mais Orléans Express n'ont pas beaucoup de destinations. Donc voilà, Greyhound, la file d'attente qui est derrière, c'est mon bus. Donc voilà, je vais partir dans 10-15 minutes. Et puis voilà, je filmerai vite fait quelques petites séquences, mais je pense que je vais conclure la vidéo à Ottawa ici. J'espère que ces deux jours vous auront plu et que voilà, vous avez pu apprendre et voir des choses avec moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça me fera vraiment super plaisir, et un petit commentaire pour des remarques, des commentaires sur la ville ou les activités que j'ai faites, et bien sûr à vous abonner si vous voulez voir la suite de mes aventures au Canada. Voilà, allez, moi je rentre, le bus n'a pas tardé à partir. Je vous dis à bientôt. Ciao.